Bonjour tout le monde, je suis Olivier, on se retrouve pour la vidéo. Donc là les gars, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire croire à Bizou que je vais acheter un bazooka sur le dark web. J'ai contacté un gars qui est dans ma classe et là je lui ai dit que je vais l'appeler devant mon petit frère. Lui va se faire passer pour celui qui est le vendeur sur le dark web, celui qui va me vendre le bazooka devant mon petit frère. Donc là on s'entend discuter des prix et tout, devant Bizou, voir sa réaction. Et puis le gars qui est dans ma classe là, sûrement va regarder la vidéo. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a dit ok, est-ce que tu peux m'envoyer un script, un texte à lire? J'ai dit frère, on aura juste une discussion. T'es un vendeur anonyme sur le dark web, tu me vends de bazooka, c'est tout. Après là, il est là, il dit, oh non, je stresse, je pense que je vais stresser. Je vais aller voir sur ChatGPT. Là, les gars, il allait écrire sur ChatGPT un texte, il est en train de le lire là. Je comprends pas, frère, on va juste parler. Et ce qui m'a choqué, les gars, écoutez ça. Il m'envoie un vocal test. Bienvenue dans mon marché. Aujourd'hui, je vais vous raconter une façon, un moyen de comment se procurer et avoir, avec une transaction particulière, impliquant un bazooka. Il y a un texte, bro! Pour le bazooka que vous êtes ici pour procurer, ce bazooka de première classe, accompagné d'une variété de munitions, et... Qu'est-ce qu'il dit? Il lisait vraiment un texte, j'espère qu'il va pas, il n'aura pas l'air d'un robot, frère. On va juste parler, t'es un vendeur de bazooka, on va juste discuter. Il va chercher un texte sur ChatGPT, bro, mais bon. Je vais appeler Bizou, il est à la maison, la transaction lui faisait les cheveux là. Donc je vais appeler de descendre, et là je vais appeler le pote là, et puis on va commencer la transaction devant Bizou, quoi, tu vois. Je peux pas saluer comme ça, bonjour. Allô? Bizou, t'as fini les cheveux? Oui. Ok, viens, dans la voiture. J'arrive. Ok. Est-ce que c'est son numéro même? Attends, je vais l'appeler vite, vite, vite. De mon pote là. Allô? Attends, je vais t'appeler. Je vais juste voir si c'était ton numéro. Ah, c'est mon numéro. Allez, c'est bon. Je vais t'appeler dans genre une minute, ok? Mon petit frère arrive là, ok? Ok. You ready ou pas? T'es ready? Mais tu vas me dire, ouais, quoi dire? Ouais, ouais, je vais juste parler là. On va juste discuter, tu vois. On aura une discussion. T'as pas besoin de comme ChatGPT vraiment là, tu vois. Okay. On va faire ça pendant genre 2-3 minutes là, c'est tout. Là, c'est pas beaucoup, ok? Ok. Ok, ouais, fais comme si t'étais genre un vendeur d'armes là, tu vois. Un gros vendeur mystérieux, tu vois. C'est... Juste, on va parler, tu vois, on va parler, ok? Bye. Lis pas de texte, bro. Lis pas de texte, bro. Allô, ça va? Bizou, mais t'es où? Viens. Mais, hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ok. Amigo. Tu t'amuses? Non, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ses souliers? Bizou est là. Ah, moi, j'étais un bazooka sur le dark web. Dark web. T'as mis des souliers? Au cas où. Chif, chaud. Il est chaud ici, hein. J'ai fermé les fenêtres parce que le petit était là. Donc je voulais pas qu'il fasse du bruit. Donc les gars, aujourd'hui on va aller. Je croyais qu'on allait acheter de la bouffe. On a mangé tout le matin. T'as mangé? Bon, moi j'ai rien mangé. Donc on va acheter un bon repas là. Je dois d'abord faire quelque chose là. Et le petit là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, allô? Allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, c'était moi l'acheteur là sur. Par rapport au bazooka. Oui, bienvenue dans mon marché. Hi. Je suis un des vendeurs, un des meilleurs vendeurs des armes de feu, je suis spécialisé de bouquet. Ouais, ok. Vous avez quel modèle de bazooka? Est-ce que vous avez beaucoup de modèles différents ou bien je peux acheter n'importe lequel? Parce que je veux un gros bazooka là. Donc, vous voyez le gros là, sur Didier là? Bah, aujourd'hui, monsieur, vous êtes chanceux, je vous présente une offre exclusive. J'ai un bazooka de première classe accompagné d'une variété de munitions et d'accessoires pour répondre à tous vos besoins. Ok, attendez, mais est-ce que les munitions, elles sont... ça coûte cher ou pas, les munitions? Les prix sont en US, de 5000 US chaque. 5000 US? Oui. Comment on fait ça? Est-ce qu'on se rencontre? Ou vous avez quelqu'un, un intermédiaire? Bah, j'ai quelqu'un d'autre qui me remplace là-dessus, qui peut vous visiter. Ok. Et vous offrir la commande que vous voulez. Ok, et est-ce que vous pensez que ça peut rentrer au Canada, ça, un bazooka? Bien sûr, tout nous offre vient d'une exclusivité, puis il peut venir tout direct devant chez vous. Devant chez moi? Ok, non. Bien sûr. Devant chez moi? Ouais, mais si ma mère comme, voit le bazooka, qu'est-ce qui va arriver? C'est à vous de régler, monsieur, c'est pas vraiment notre problème. Ok, mais est-ce qu'il va venir genre entier, directement déjà monté, ou bien je dois le monter moi-même, le bazooka? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le bazooka est déjà monté. C'est oh, il est déjà monté? Ok. Ok, est-ce que vous avez aussi des armes à feu? On a plusieurs autres armes de feu. On a aussi le Glock size. Damn! Okay. J'espère que c'est...
Monsieur Tu blagues. C'est un fou, hein? C'est un fou, écoute-toi! C'est pire, c'est des jouets! C'est pas un jouet! C'est un vrai! C'est un vrai! Ouais, pardon, excusez-moi, désolé. Vraiment désolé, monsieur. Ok, donc, vous avez. Est-ce que j'ai aussi des AR? Des AR? Oui, on a des assault rifles. Ok, non. Ok. Ok, d'accord, monsieur. Vous avez dit combien pour le bazooka déjà? Bazooka, c'est 5 000. $5 000, est-ce qu'il y a des taxes ou. US. En canadien, ça va à peu près 7 000. Est-ce que je peux négocier avec vous ou pas, comme pour de vrai? Ben, j'ai besoin d'un pour... comme je veux pas... Monsieur, est-ce que c'est des vrais hommes? Monsieur, est-ce que c'est des vrais hommes? Bisous, tête, bisous! Non, nigga, non! Tu veux qu'il t'attrape? Tu veux faire quoi avec des vrais hommes? Tu veux qu'il t'attrape? Donc là, mais surtout, tu veux faire quoi avec des vrais hommes? Ok, s'il te plaît, pour de vrai, parle pas. Merci, je vais vous recontacter pour voir qu'est-ce que je vais prendre avec vous. Mais je suis vraiment très, très intéressé par le bazooka. Et tu veux faire quoi avec un bazooka? C'est bon? D'accord. Merci. Merci de nous avoir contacté. Pas de problème, monsieur. Et merci. Rappelez-nous dès que vous avez la décision à l'acheter. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Tu fais quoi avec un bazooka? On fait quoi avec un bazooka? Et donc, t'es à la guerre? Tu veux faire quoi avec un bazooka? On fait quoi avec un bazooka? Mais t'es à la guerre? Réponds à ma question. La vie est la guerre, bro. La vie est la... Tu vas rien acheter. Je vais rien acheter. C'est l'argent à qui? Tu ne vas rien acheter. T'as tes points. Je veux un bazooka. Va acheter un bazooka. Mais j'ai acheté. Je vais acheter. Ça sera un bazooka Fortnite, bon, non? Ah, je veux l'acheter. Ok, mais tu vois. Quand tu vas le voir pour de vrai. Si quelqu'un de notre famille voit ça, directement, t'as la pluie sur ton dos. On va même pas essayer de te protéger. Ok, mais. Ok, mais justement. Pourquoi je vais l'acheter démonter? C'est pour ça que je l'ai demandé. Mais lui, il dit qu'il va m'envoyer directement. C'est ça? C'est le dark web. C'est ça. Oh. Bon, bref, les gars, donc... Mais tu ne vas rien acheter, yo, nada. Toi, t'es fou. Oh. Il fait quoi, c'est lui qui va l'acheter, c'est moi qui vais l'acheter. C'est mon bazooka, bro. Tu ne vas rien acheter, t'as pas besoin de bazooka. Et les munitions coûtent cher, il m'a dit que c'est $200 par munition. Il avait pas dit 5 000. En plus, ton vendeur est bizarre. Ton vendeur est bizarre. Il dit, est-ce qu'il veut moi? Voilà pour la vidéo. Je sais pas de quoi il se mêle, bro. Moi, c'est un appel. On appelle très important. En plus, c'est là en train de parler derrière, bro. C'est un gros vendeur? Je vois un. J'achète un bazooka, bro. De plus de grands comme ça, je pense que j'appelle la police directement. J'espère qu'ils vont m'envoyer un colis parce que. Nada. Moi, je sais déjà. Il fait comme s'il a de l'emprise sur ce que je vais acheter, bro. Je vais acheter mon bazooka. What? Ce gars-là avait un bazooka. En train, il est en guerre, bro. C'est un bazooka, bro. Il croit qu'il est dans Fortnite. J'ai bientôt mon bazooka et puis je vais vous faire un unboxing de mon bazooka. Allez, voilà.